Buongiorno tout le monde. Je reviens avec un nouveau vlog. Et en fait c'est le début d'une longue série de vlogs. En tout cas je l'espère. Début du mois de décembre, c'est le début des vlogmas. C'est le début de cette magnifique période qui nous attend, qui est cette période de countdown pour Noël. J'ai quand même un planning assez intéressant. Ma copine Candice qui est de passage à Lyon, d'autres amis du côté d'Élise également là. Et on a décidé aujourd'hui de tout simplement se réunir tous ensemble pour passer la journée ensemble, leur montrer en fait tout simplement Lyon. Ce soir du coup peut-être potentiellement de sortir si tout le monde est chaud. Donc ça c'est à voir. Moi je suis une grande fêtarde dans l'âme, j'ai toujours envie de sortir. Mais c'est juste que cette dernière semaine j'étais malade. Comment dire, c'était extrêmement chiant, j'en pouvais plus. J'attends Candice qu'elle ait fini de prendre sa douche. Et on part faire les courses pour un mini brunch. A phonograph. I was a kid. I sat with an ear close, just listening. Was there when the rain tapped it way down your face? You were a miracle. Eyes just holding your space. World time has a way of throwing it all in your face. Past she is haunted, the future is laced. Heartbreak, you know, drives a big black car. I swear I was in the backseat, just minding my own. J'ai fait une journée de stage où elle était pas là. Ça c'est fini. Je suis tombée malade. C'est l'année prochaine que tu vas aller au Canada? Là j'y vais juste pour moi. J'ai strictement rien à faire au final au Canada. C'est juste pour moi parce que je sais que c'est de ça dont j'ai besoin, c'est de ça dont j'ai envie. Mmh. En fait j'en ai marre de passer 24 ans de ma vie à faire ce qu'on me demande de faire. Mmh. J'ai jamais réellement fait quelque chose pour moi. Oh non, c'est pas du tout pareil. Because I'll break your heart. Maybe I'll break yours. Nobody breaks my heart. If we pack up the next part. Go. Du coup, on est prête. Je voulais vous montrer ma tenue. Petite robe, petit col roulé, petite ceinture. Je vais mettre des bottines noires, mon manteau. Et je sais pas si je mets genre une écharpe ou un truc comme ça. Genre j'ai peur d'avoir froid. Je sais pas si. T'as fait quoi? J'ai parlé tout simplement. Ah. Je sais pas si je mets la chemise par dessus en mode genre pour avoir plus chaud, genre en mode couche. Moi j'aime beaucoup franchement. Mélange de styles. Après tu vois genre ce genre de chemise aurait été mieux avec le col roulé blanc et la ceinture marron parce que ça fait un peu plus genre. Non je vais juste. Ah j'ai mon chat. Hein? Bref, on va y aller. Copine de pinceau. Copine de pinceau! Sauf que le tien, bon, il est un peu. Bah, il est un peu plus. Je crois qu'il est plus récent. Possible. On va aller au café des chats. Graisser des chats et boire du café. Let's go! Voilà. Genre, t'aimes les chats. Non, j'aime pas les chats. L'année prochaine, c'est des stages. L'année dernière, c'est des stages. Voilà. Merci. Tu veux faire? Ouais, j'aimerais bien dans la recherche ou dans le conseil en viticulture. C'est le ah, c'est moi, bon, jeune. À peu près. C'est sûr. Oui, il est propre, parce que
C'est vrai qu'à genre à 17h, c'est pas grave. Je vais pendant 6-8 mois avec Enzo et on va travailler au même endroit. Enzo, il est intéressant. Et genre, on peut du chamallow, on peut le mettre dans tous les sens, il est trop rigolo. Ah oui, j'ai un 10. Donc, c'est le début de mes vlogs foireux. Enfin, de mes compétences de vlogueuse foireuse. J'ai pas filmé la suite de ce que vous avez vu avant. Ces passages là, j'étais un petit peu déprimée ce jour là et il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Finalement on est parti se promener hyper tard, il faisait froid, je me voyais pas trop sortir là pareil. Là il est 16h, je viens de me réveiller, je me suis couchée hyper tard et vu que je fais plus de stage en ce moment, bah, j'ai beaucoup de temps libre, sauf que faut pas que je me consacre à simplement dormir, faut que j'avance, faut que je trouve des trucs. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui, mais la journée elle est bien finie. Donc là je me fais à manger. J'ai beaucoup de choses à faire en soi. Genre par exemple ranger tout ce bordel là. Je dois renvoyer le colis qui est là-bas en haut. Parce que j'avais fait un partenariat, enfin je suis toujours en collaboration avec eux. Sauf que la robe qu'ils m'ont envoyée, elle est trop petite pour moi. Faut que je la renvoie, genre ça fait genre 3 semaines que je dois la renvoyer, genre vraiment. En vrai je comprends pourquoi les marques veulent plus travailler avec moi, parce que genre c'est impossible de travailler avec moi. Répondre aussi aux mails, YouTube, marques et tout. Répondre à vos commentaires parce que genre hier j'ai sorti une nouvelle vidéo. J'arrête le droit. D'interrogation. Je pensais tellement pas avoir tout ce retour. J'ai vraiment eu énormément de retours, j'ai vraiment tout lu. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de conseils. Rappeler à quel point en fait j'ai de la chance de vous avoir et que j'oublie en fait. Malgré le fait qu'on se connaît pas, genre je vous connais pas, vous me connaissez pas, même si je pense que ceux qui regardent vraiment chacune de mes vidéos, concrètement vous allez limite mieux connaître ma vie que moi-même. Donc je vais aller prendre une douche. Du coup, je vous ai pas filmé aujourd'hui parce que ma batterie est morte. Du coup, j'ai rangé ma chambre, enfin j'ai repassé avec le aspirateur. Là je vais me faire deux petites tresses. Je me suis fait deux couleurs à la suite. Je voulais absolument devenir genre brune foncée pour être en accord avec mon esprit intérieur. Et du coup bah ça abîme forcément les cheveux, ça abîme forcément les boucles et ça enlève un peu tout le travail que t'as fait en amont. J'aime bien me faire des tresses parce que je sais absolument pas du tout si c'est avéré ou pas, mais j'ai quand même l'impression que ça ferme mes cheveux en mode ah. Petit rappel, genre, je crois qu'on sait faire ça. Je vais retrouver des amis, on va manger sushi à volonté, ce qui est concrètement, littéralement ma vie. D'habitude, c'est une tradition que je fais avec Penelope. C'est Penelope, ma queen, et mon date préféré des sushis à volonté. Mais Pocheur, la pauvre, elle est malade en ce moment, elle a attrapé le Covid. J'ai perdu ma copine pour une semaine. Ceux qui sont de Lyon, mes deux sushis à volonté préférés, donc il y a Sushi 6ème, la base, genre tous les Lyonnais connaissent. Sushi 6ème. Je suis tellement chiante, je suis en train de me dire, peut-être j'ai pas envie d'avoir des tresses finalement. Je suis chiante. Et le deuxième sushi à volonté, c'est là où je vais aller, c'est le Dédé Sushi à Charpennes, qui est très bon aussi. Niveau qualité, je le trouve moins bien que Sushi 6ème, parce qu'au niveau du riz, tu sens que la qualité, elle est un peu moins... Les sushis ont tendance à plus rapidement se casser la gueule, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je vais y aller, je vais me prendre avec vous et on va manger. Oups, faut dézoomer. Ouais. Voilà. On va continuer ce petit vlog, même s'il va dans tous les sens. Aujourd'hui, du coup, on fête Noël à la coloc. Et je vous emmène avec moi. C'est parti.
Let's pack our stuff now and run away. We can't be all we want in this small town. Our life was rough, so let's make our days what we want, and I'll give you my last name. We'll take our chances after all these letdowns. Let's keep our patience until ourselves are... Du coup, on est ici avec les colocataires de Préfeter Noël tous ensemble parce que tout le monde va partir pour les fêtes, pour rejoindre leur famille. Et on s'est dit aujourd'hui, du coup, le 15, de fêter notre Noël à nous. On a essayé d'organiser un Secret Santa. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est un Secret Santa, c'est en gros vous tirez au sort le prénom de quelqu'un et vous devez leur offrir des cadeaux. Moi j'ai tiré au sort ma colocataire Ainoa. Je lui ai pris du coup un porte-clés en mode doudou comme ça, en forme de cœur. J'ai pris des chaussettes, je les ai trouvées trop mignonnes, genre très festives, avec de la moumoute à l'intérieur en plus. Super super cool. Donc tout ça je l'ai pris à Maxi Bazar, donc ici à Lyon. Mini pot de Nutella, donc ça c'est en mode private joke un peu. Donc je vais emballer tout ça, j'ai acheté du papier cadeau et on va l'offrir tout à l'heure. As I play my part, you inspire me. So I take my mark and I start to sing. Hey, un petit sourire, Cécile. In my heart. Hey, Mathéo, un petit. Fais ta star, fais ta star. Voilà, soirée Noël. C'est parti pour le Mario Kart, Mario Kart ou quoi? Comment ça marche? Mais je sais pas, mais je vlog. Dans les traditions, enfin le repas français, ouais, ça Mais c'était qui l'enfant sauvage déjà? C'était moi. Ah, c'est toi. Putain, mais lui il a grade up. Alors que moi je suis toujours, je sais même pas comment je m'appelle. C'est pas moi! Ouais, c'est pas moi, c'est qui? Non, mais je vais pas le balancer non plus, c'est personne! Qui t'appelle Mathéo dans la coloc? T'as capté, j'ai capté. Non, dis que tu veux peut-être la cuisine. Il met un sage, voilà, je vous spoil. Super, t'en fais ses parents. Il a pas mangé agressif. Mais lui, ça fait 30 minutes qu'il dit on va manger, non? Non, mais dès l'apéro, il a dit on mange. Je sais. En plus, t'as pas dormi cette nuit, je sais. Horrible colloque, quoi, franchement. Franchement, pars, hein. Non. Un petit morceau. C'est tout comme discours? À nous. Pas aux autres, à nous. Je voudrais faire un toast à la magie de Noël. Et à nous. Je voudrais vous dire que je vous aime tous. Voilà, moi c'est Mytho. C'est trop beau. Ça, c'est le genre de phrase que je dirais jamais. C'est du Nord. Ouais. Attends, je refais un toast. Alors, Baptiste, non. Baptiste. Béné. Ça, là, c'est. Béné. Oui.
les secours. Vous savez, ici on est une grande démocratie. Et on a appris que la nouvelle, là, Cécile, comme on dit. Elle était pâtissière avant. Moi j'ai pas vu de gâteau. Et c'est Grégory qui a dû faire le gâteau. On va voter parce qu'on aime la démocratie. Non, 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 merci à voter. Bon, qui veut un gâteau de non, reste en toi quand même. Attends, on est de la même. J'ai appuyé en soi les mains. Moi je suis pas colère. Qui veut un gâteau de Cécile? Moi je suis pas là. Christina, Christian, tu veux pas de gâteau? Je suis pas là moi, je me casse demain donc je suis pas concernée. Je vais pas vous faire un gâteau, je vais faire un super dessert à sel gastronomique. Ça te voit? Oh oui! Donne un terme, donne un terme, date limite. Potentiellement, parce qu'elle va partir sans le faire. Moi, pour mon anniversaire, je vous ferai bien, c'est une tropézienne ou rien. Ah, c'est bon, ton anniversaire, c'est en mai. Ah oui. C'était bien l'anniversaire. Moi, je fais un toast à Victor. Ouais. Non, qui ce soir s'est occupé de toute la soirée. Personne m'écoute. Merci à Victor qui s'est surpassé ce soir. Victor qui s'est surpassé ce soir. Organiser tout ça. Alors, faut dire qu'il y a Victor. C'est moi, c'est Victor qui a fait le ménage ce week-end. Ouais. Victor qui a fait le ménage ce week-end. Exactement. Et pour ça, on boit à la santé de Victor. À sa santé, Victor. Victor. Je crois que vous rendez pas compte à quel point ça m'arrache la gueule de lui dire merci, genre. Je pense que moi, j'ai pas une personne. Ah, mais tu peux même demander mes droits d'auteur. Je t'ai dit, je peux leur me flouter sur toute ta vidéo. Moi, il y a des là, apparemment, dans le coin. À part Mathéo, il y a personne qui. Mathéo a fait le beaucoup. Non, non. Mais il en a déjà fait. Ah bon, mais comment ça en mode. Ça balance ce soir. Il y a eu ça, je suis bien plus beau en vrai, je vous assure. Bon, bref, ils ont fait des. Je suis un peu choqué parce que moi, j'ai donné mon esprit et mon corps à Dieu. Et d'entendre tout ça. Je vais faire un confessionnal dans les toilettes parce que là de toute façon je suis pas libre de parler. Ok, bah j'ai été obligé de me réfugier dans les toilettes parce que ici la parole n'est pas libre. J'ai été organisé dans cette colocation et qu'on fasse ça en fait sous mon toit. Je suis un peu outré en fait et que des poursuites pénales seront... Je tolère pas du tout. Je tolère pas du tout. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas pu les protéger en fait de tout ça. Parce que moi j'essaie de leur apporter la bonne humeur, la beauté tous les matins. On me remercie comme ça. Bon, enfin. Je vais continuer à faire les cocus avec eux parce que je suis obligée. Ça va mes chouchous? C'est bon, t'as fini ton monologue? C'est parti. Je sais pas ce qu'il vous a raconté, mais. T'es parti aux toilettes avec la caméra? Je racontais que je vous adorais et que je vivais une super coloc ici. Ajoutez-moi tout sur TikTok, @victor-weg. Il faut s'abonner, liker la vidéo, activer la cloche des notifications, la suivre sur Instagram, et mettre un commentaire. Sur Snapchat, et mettre un commentaire, et même en mettre plusieurs et répondre aux autres commentaires. Exactement, merci Victor. En fait, c'est un taf à ton plus. Pour ça que je te suis pas. C'est marrant parce que le premier qui commence, c'est Victor. 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 Chez moi, normalement, c'est le plus jeune qui distribue les cadeaux. T'as ton cadeau? C'est ça, tiens. C'est la. Ah. Venez. Le Père Noël est passé. Tu peux faire la vidéaste? Eh, moi je dis, par... vous voulez le faire ici ou vous voulez pas le faire sur les canapés pour un petit cadeau? Ok. Apparemment, il y a encore un truc au congélateur. C'était pas 10 euros le budget? Au congélateur. Ouais, ça, ça. T'es content? Ah, en vrai, c'est un beau cadeau. Qui a dépassé le budget surtout? Mathéo. 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 Okay. C'est Mathéo, ok. C'est Mathéo, Mathéo. Waouh. Le cadeau d'Ainora. Ah oui, c'est c'est toi? C'est tout ça? Oui. Attendez, attendez, je cadre avant d'ouvrir. Oh, t'es vraiment précise. Trop mignonne. Alors je vous montre ces chaussettes, je sais pas si ça. Alors c'est des chaussettes qui s'arrêtent où? Au mollet, au genou? Oui, parfait, ok, d'accord. On a tout pété nos trucs et tout pour les clés, du coup je me suis dit voilà. Et ça a sorti à ton manteau. Ça c'est parce que t'es son petit cœur. Et puis c'est un cœur parce que je l'aime. Parce que c'est son petit cœur, ok. Il est où mon porte-clés cœur? C'est quoi l'anecdote? C'est quoi? Hier soir, ouais. J'étais en train de faire sa petite tartine pour le matin. Ok. Putain, merde, j'ai pas de tartine pour le partiel. J'ai dit putain, j'ai plus de Nutella. Il a pensé à me prendre un mini pot de Nutella pour. Bah, au moins, tu pourras faire une seule tartine. Waouh. Qu'est-ce que tu penses du papier cadeau déjà de base? Bah, c'est éco-friendly. Hein. Mais c'est quoi? C'est un triangle? Oh, solo, solo. Non, mais par contre, apparemment, Baptiste est. Baptiste! C'est moi!
C'est toi. Il y a pas de cadeau pour moi, let's go. C'est moi. C'est vrai, c'est toi. Alors... Tu m'as matrixé tout à l'heure. Ah, bien sûr. J'ai emballé mes cadeaux. Oh là là, la bière. Bière des amis, pour t'en sortir bière. Belle chevelon, ne pas partager. On fait genre un peu plus, ouais. Good, c'est bien. Bon jeu d'acteur. C'est la même. Wow. T'es si vieille, Christina, j'ai l'impression que ton tour n'arrivera jamais. Et voilà. Non, c'est moi. Allez, cadeau. Il y a plus personne qui réagit. Bon, en vrai, Noya, elle a été bien gâtée aussi. Hein. Tu as bien géré. Et du coup, personne n'a fait pour toi. C'était toi qui a été oublié. Après, en vrai, moi, je veux une bouteille d'alcool. Si c'est pas pour toi, Christina, je sais pas pour qui c'est. Regarde le petit papier, peut-être que. Attends, si j'ai trouvé le cadeau de Christina, parce que ça ressemblait à une bouteille. Je trouve que j'ai vraiment une très mauvaise opinion de ma pote. Un vin qui devait satisfaire tes soirées romantiques. Je t'embrasse, Cécile. Le meilleur cadeau possible. Moi j'ai mis une bouteille d'alcool pour blaguer, j'ai fait c'est pour Christina ça. Bah oui, c'est pas une blague en fait, tu vois. Pourquoi une bouteille d'alcool pour Christina? Christina aime le bon vin. Le bon vin, ouais. Et je pense que ce petit synthé mignon va. Je suis un bon vivant. Putain, c'est quoi la bouteille? J'ai même pas vu, tu t'es parti. C'est un synthé mignon. Ah, waouh! 2012! T'étais même pas né à cette époque. Victor était pas né à cette époque. C'est vrai, Victor était pas né. Ah, c'est à moi du coup? Tiens, mais vous! Hello! On s'est quitté la dernière fois parce que tout simplement il n'y avait plus de batterie pendant la fête de Noël qui est vraiment partie dans tous les sens. J'ai peur que je vous ai fait peur en fait dans ce vlog. Et là, du coup, je suis chez moi, chez mes parents. Je suis rentrée du coup parce que. Pour les fêtes. Regardez-moi ce sapin. J'envoie encore des CV là de motivation. Ça va être un peu mon activité principale pour ces vacances. Ok, vacances, sachant que je suis en vacances littéralement depuis un mois. C'est vraiment tellement compliqué, genre l'after étude. T'es tellement perdu. Enfin bref. Hey. Donc là, je vais accompagner ma sœur à son cours d'équitation. Je vais dans tous les sens, ça va pas et tout. Je vous emmène avec moi. Let's go. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Commencer déjà à rigoler alors que c'était son idée. Ceux qui me suivent déjà depuis longtemps savent qu'il y a eu une vidéo qu'on a déjà filmée ensemble où j'avais pas montré sa tête, elle avait genre 3 ans. Alors elle me maquillait et je me suis dit pourquoi pas le refaire, mais 10 ans plus tard. Tu veux commencer par quoi? Par le teint. Par le teint, déjà une bonne nouvelle. Ça, ça c'est pour ça. Oh my god. Ouais. Oh non, pas de questions. Ça te fait quoi d'avoir une grande sœur qui fait des vidéos sur YouTube? Bah ça fait raison. C'est pas bizarre. Tu t'en fous? Bah tant que tu fais ta vie. Ah. Il vient de chez... Catrice. Catrice. Je sais même pas ça sert à quoi. Ah, grand chose hein. Ah, les cils. Les sourcils. Les sourcils. Ouais, j'ai fait quoi comme étude? Oh mais... Tu t'intéresses quand même à la vie de ta grande sœur? Non. Non. Études de droit. Ouais. Pendant combien de temps? Pendant 4 ans. Non.
5. Oui. Et c'est quoi les études de droit? Je sais pas. Ça correspond à quoi le droit? Bah, les droites. Les droites? Les droites parallèles, pire premier. Ah, oui. Genre les maths. Donc j'ai fait des maths pendant 5 ans. Après, on a fini. Oui, on a fini. Tu fais quoi? Quelqu'un m'a frappé, mais ok. Saviez-vous que ma sœur est une bagarreuse? Arrête. Elle a eu sa première heure de colle cette année, il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Toutes mes années d'école, que ce soit école primaire, maternelle, collège, lycée, j'ai jamais été collée. C'est ma plus grosse peur en fait d'être collée. C'est pas ma faute. Et elle, elle arrive en cinquième et elle se fait coller. Il y a des gens qui se maquillent dans ton collège? Non. Mais c'est beau en réalité. Bah, je te jure. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas moi. Tu ressembles à un zombie. En même temps, s'il y aurait eu du fond de teint, s'il y avait. S'il y avait. J'ai peur, elle va me casser l'œil. Tremble pas. C'est parce que tu tremblais. Oui, bien sûr, c'est à cause de moi. J'adore parce que tu rajoutes des petits effets, tu vois. C'est encore pire. T'as rigolé. Pleurer. Pourquoi tu m'aimes pas? Ah là tu fais exprès par contre. C'est assez, tu fais exprès de ouf. Non. Ça va sur mon menton frère. Tu t'appliques même pas. J'essaie. Je suis belle. Ça va. Oh, les gars. C'est beau. À quel moment c'est beau? Alors là au niveau de la bouche de Maya Wagenham, oui on est réussi. C'est un succès là. On dirait un clown triste. Ce qu'on peut en déduire, c'est que 10 ans après, certes, il y a des améliorations, il y avait un bon début. Et au niveau de l'eyeliner, c'est parti dans tous les sens. Mais voilà le make-up selon ma petite sœur, comment elle me voit, comment elle me trouve jolie apparemment. Oui. Et je vais me maquiller comme ça tous les jours pour la voir. Je vais me maquiller comme ça la prochaine fois pour venir te chercher à l'école. Ouais. Mm-hmm. Tu notes combien sur 10? Ah bah là, non mais il y avait vraiment un bon début, mais la fin complètement bâclée. Complètement bâclé. Mais c'est beau. C'est pas beau. Arrête de dire que c'est beau juste parce que c'est toi qui l'as fait. La chaîne avec. Non, non, surtout pas. C'est-à-dire tu dis que mon maquillage est moche. Oui. Ah oui, et je pense que tout le monde serait d'accord. La prochaine fois, à mes 15 ans, on refera la. Ah oui. Bonjour tout le monde. Donc je reviens aujourd'hui avec la suite de ce vlog, que je pense que ça va être un peu la dernière partie de ce vlog, parce que déjà ce vlog va dans tous les sens, déjà c'était tellement pas ce que j'avais prévu de base, j'avais prévu de vraiment faire des vlogmas filmés tous les jours, et finalement je n'avais pas le cœur à ça. Hier c'était Noël, donc on est le 26 aujourd'hui, le Père Noël est passé, on a eu des petits cadeaux, donc j'ai reçu des petites boucles d'oreilles comme ceci. Aujourd'hui on va aller à Paris avec toute la famille pour aller au musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, concrètement, je l'ai déjà fait plein de fois, mais ma famille ne l'a pas encore fait, donc ça va être une première pour eux. Je me suis dit pourquoi pas vous prendre avec moi, avec nous. Et voilà, let's go. Si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando. Sé concreta, por favor.